Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est 8h et des cacahuètes, vraiment des toutes petites cacahuètes. Je viens de regarder l'heure, je ne sais plus. Il doit être 8h15, un truc comme ça. Alors j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui, mais alors vraiment plein de choses. Bon, on va commencer comme d'habitude avec le petit week-end. Comme ça, je ne suis pas trop perdue dans mes pensées. Donc le vendredi, une fois que je vous ai laissé, j'ai commencé à faire mon chou en argile pour Amy. Voilà. Donc je pense que je vais le terminer maintenant en attendant le facteur qui m'amène aujourd'hui le kit d'argile polymère que Chéri m'a offert. Donc je vous le montrerai, mais je vais vous faire une vidéo dédiée avec la découverte, le test et mon avis et tout ça. Donc j'ai dû annuler le live vendredi, je l'ai annulé pour le samedi, puisque Chéri a décidé, comme ça, de but en blanc, d'envoyer un message à mon frère en lui disant « vous venez manger ce soir ». Enfin, demain soir. Donc du coup, comme on a un barbecue qui s'est prévu, j'ai annulé le live. Le samedi, j'ai gardé donc ma filleule, parce que pour pas qu'elle reste toute seule chez elle. Bon, et après elle est grande, hein, mais voilà, là vous avez passé la journée près de moi, enfin près de nous. Bon, elle a profité des chiens plus que de moi, hein, on est d'accord, mais elle a passé une bonne journée. Du coup, Chéri a dit à midi, on va manger un petit chinois. On a été manger un petit chinois et j'étais malade. Voilà. Je pense vraiment que le chinois où on va habituellement, il y a quelque chose que je ne supporte pas chez eux. À chaque fois, j'ai la gerbe. Je pense qu'il y a un épice ou l'huile qu'ils utilisent et tout ça qui n'est pas adapté pour moi. Donc, il faut que je reste aux sushis et aux petits apéros. Vous voyez, les beignets de crevettes et compagnie. J'ai les chichous qui veulent sortir, je vais les faire sortir après. J'ai fait des moules pour la Fimo. Alors, je vous montrerai demain parce que là, ils sont rangés. Je viens de les ranger. Oh, mais pipi-pipi-pipi-pipi-luna. Oui, je vais vous faire sortir après. Je fais d'abord ça. Sinon, tu vas me faire tomber l'appareil. Tu as déjà renversé le café de papa. Oui, ils ont renversé le café. C'est quand samedi, je crois qu'il les a fait sortir. Ouais, hier ils sont pas sortis, donc c'est samedi matin, il les a fait sortir, il avait son café sur la table du salon. Bébé Luna, elle a foncé dedans, elle a renversé le café. Donc j'ai vite, il faut essuyer avant qu'ils aillent piétiner dedans et que je sois mouillé. Hein, parce que ça met un temps fou à sécher et ça risque de tomber malade facilement. Et du coup, on s'est retourné, il y avait mes mères Cunie qui était dans la flaque de café, en train de boire le café. Donc elle n'a pas dormi de la journée. Donc j'ai fait mes petits moules, je vous montrerai ça demain. Et j'ai pensé comme ça, de but en blanc. J'allais voir sur Vinted pour la Fimo, je voulais voir combien ce qu'ils revendaient la pâte polymère de chez Action. Pour l'instant, il y en a, franchement ça va. Ils les revendent 1 ou 2 euros pièce. Bon, j'ai vu quand même qu'il y en a qui avaient commencé déjà à abuser sur du 3 euros pièce, alors que c'est 99 centimes, hein, mais voilà. Et du coup j'ai acheté pour 75 euros de Fimo, de vrai Fimo, un peu moins de 75 euros, mais ça me revient à 1,25€ le pain de vrai Fimo, qui sont complets, la plupart. J'ai pas compté ceux qui n'étaient pas complets, j'ai déjà plus de batterie. Ça me revient à 1,25€ pour de la vraie Fimo, donc le pain, plus qu'il y aura des, il y en a qui a des ustensiles. Voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous voulez commencer la Fimo et pas vous ruiner, Vinted est votre ami. Donc je les attends, là il y en a un qui est, la dame elle l'a envoyé hier, donc voilà, je les aurai fin de semaine ou dans la semaine prochaine, et je pourrai tester la vraie Fimo. Donc on a fait le barbecue, et mes nièces, il y a Enzo et Chat qui sont venus passer après-midi avec nous aussi. Donc du coup, elle a pris un des dragons éléments que vous aurez la semaine prochaine ou en vidéo, si je dis pas de bêtises. Toute la semaine prochaine, vous aurez une vidéo. Et les autres, c'est mes nièces qui les ont pris. Voilà. Donc je les ai déjà pu. Et la vidéo que vous avez eue vendredi, je l'ai déjà. Enfin, il est toujours là, mais ma nièce m'a déjà demandé de la voir. Et le dimanche, j'ai eu mal au crâne toute la journée parce que je me suis posée. En fait, ça fait un long moment. Donc je résume un peu pour ceux qui n'étaient pas sur le live, mais je vous mets le live en rediff. Ça fait un long moment, bah, en fait depuis que les filles m'ont dit « mais pourquoi tu ne fais pas une playlist DIY dans tes vidéos ?»
que j'hésite à passer la chaîne en full DIY, hormis les vlogs, bien évidemment. Vous inquiétez pas. Les ongles, les nail art resteront aussi, puisque là, c'est une collab avec Madame Glam et que j'adore ça. Et que mes ongles, voilà, je les change assez régulièrement. Donc ça, ça restera. À chaque fois que j'aurai un colis Madame Glam, je ferai une vidéo nail art. Mais du coup, ça m'a donné mal au crâne parce que je me posais beaucoup trop de questions sur l'avenir de la chaîne et tout ça. J'étais vraiment pas bien, j'avais peur de décevoir, j'avais l'impression de vous trahir pour les plus fidèles. Hein. Mais ça, tout ça, je vous explique dans le live, on en a beaucoup parlé avec les abonnés qui étaient là. J'en ai parlé avec les filles, j'en ai parlé avec Chérie, j'en ai parlé avec les garçons. Et donc voilà, la chaîne va passer en full DIY, hormis les vlogs. Les vidéos nail art, de temps en temps des petits make-up, principalement par exemple les vidéos make-up d'Halloween, bon, il y aura des DIY aussi du coup, mais c'était déjà prévu comme ça de toute façon, il y aura quand même les make-up, parce que ça c'est vraiment le genre de truc où je m'éclate, vous voyez, mais c'est vrai que sur la fin je m'éclatais plus autant, je repoussais les vidéos make-up parce que j'avais envie de bricoler, je pouvais pas tout filmer. Il y a des trucs que j'ai fait sans filmer, puisque du coup, je me disais, ouais, mais là j'ai un make-up, donc je peux pas la mettre. Je vais pas filmer une vidéo pour la poster que dans 3 mois. Enfin, vous voyez, j'aime pas non plus faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que je me rendais malade, parce que j'avais vraiment peur que, ben, que vous preniez mal, que certaines le prennent mal. Bon, ce qui va certainement arriver, hein, on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde dans la vie. Mais voilà, donc... déjà, je tiens à vous remercier tous ceux qui étaient sur le live parce que vous m'avez vraiment reboosté. D'ailleurs, vous m'avez fait chialer, hein, encore une fois. Mais vous êtes vraiment d'une bienveillance incroyable. Vous m'avez reboosté, remonté le moral. Je me suis sentie soulagée. J'avais plus mal la tête de parler de ça avec vous tellement ça me travaillait. C'était... voilà. Mais je pense que, comme j'ai expliqué dans le live, 11 ans de vidéo make-up, je pense que j'ai un peu fait le tour, quoi. Vous voyez, hormis l'artistique, hein, là, je peux toujours continuer à m'éclater. Mais c'est vrai que... Et comme je disais, financièrement, c'est un très gros investissement. Bon, alors, les DIY aussi, hein, on est d'accord, il faut le matériel, la matière première et tout ça. Après, je fais beaucoup de upcycling, il y a beaucoup de choses que je récupère. Mais c'est comme je disais dans le live... Une palette à 50 euros, je vais m'en servir une ou deux fois. D'ailleurs, je ne pourrais faire qu'une ou deux vidéos parce qu'après, ça va s'essouffler. Tandis que 50 euros de fimo, on va dire, ou d'argile, je peux faire beaucoup de vidéos avec, quoi. Vous voyez, c'est pas le même budget financier. C'est pas le même investissement matériel audiovisuel. C'est pas le même investissement en temps. C'est moins... comment est-ce qu'on dit? Pas nécrophage. C'est moins... C'est moins contraignant, puisque je peux filmer le soir alors que Chérie regarde la télé et discuter en même temps avec les garçons ou avec lui. Voilà, j'ai pas besoin de me dire « Ah ouais, bah là, il y a des travaux, je peux pas filmer mon make-up. Là, il y a le camion poubelle qui passe. Hein, » ça, vous êtes habitués dans mes vidéos. « Merde, il y a les chiens qui gueulent, il y a les chiens qui rentrent pas. » Alors que là, bah, s'ils sont dehors, je m'en fous, c'est ici en bas, donc ils peuvent rester dehors, je laisse la porte ouverte et ils font ce qu'ils veulent. Là, les chichous, j'arrive pas à les faire rentrer, donc je sais pas les filmer. Enfin, vous voyez, il y avait toujours des contraintes comme ça qui me bloquaient. Des fois, je faisais mon teint à 6h au matin pour me dire comme ça, dès que ça me part à l'école, je vais filmer. Et du coup, bah, les chiens voulaient pas rentrer. Après, les chichous faisaient le bordel parce qu'ils voulaient sortir parce que c'était l'heure. Enfin... Après, il y avait les travaux qui commençaient, donc j'avais fait mon pain et je ne savais pas les filmer, voilà. Donc, ça commençait vraiment à me peser de... Après, il y aura toujours des make-up, hein. C'est comme j'ai dit, je ne vais pas arrêter de me maquiller non plus, mais je ferai plus des réels slash shorts avec les palettes classiques quand je me maquille pour aller quelque part ou des choses comme ça. Alors, je ne dis pas que je ne vais pas revenir aux sources plus tard, mais là, pendant quelques mois, je vais tester comme ça, voir comment la chaîne évolue. Puisque c'est comme je disais, c'est hyper démoralisant et décourageant de voir le compteur d'abonnés stagner comme ça. Le concours des 5000 abonnés est prêt pour moi depuis des mois. J'arrive pas à monter. Les vues, c'est une misère sur les make-up. J'en fais pas énormément plus sur les DIY, mais certains DIY font quand même plus de vues qu'un make-up ou deux vidéos make-up réunies. C'était vraiment démoralisant et décourageant quand on se dit qu'au bout de 5 ans, de 11 ans de chaîne,
J'en suis même pas à 5000 abonnés. Et vu l'investissement financier et personnel et en temps, tout ce que ça me coûte, c'était démoralisant, quoi. Franchement, là, ces derniers temps, j'avais plus envie de filmer de vidéos make-up. Si, par exemple, le sweatshirt make-up ne doit pas être sirène, ça, j'étais ravie de la tourner, j'étais pressée de la tourner parce que j'avais hâte de tester la palette. Mais le dernier Disney Challenge, j'ai eu du mal à m'y mettre. Le dernier Alphabet Challenge, j'ai eu du mal à m'y mettre. Enfin, vous voyez, après, je sais que je suis assez changeante, je suis quelqu'un d'assez changeante. Mais bon, ça fait quand même 11 ans que je fais des vidéos make-up. Ça fait depuis que je suis gamine que je fais des DIY. Donc, je pense que le switch de contenu est logique. Voilà, pour ceux qui me connaissent un peu, qui ont appris à me connaître au bout de 11 ans de vidéos. Je pense que le switch est quand même assez logique. Je passe pas du coq à l'âne, quoi. Je veux dire, il y en a beaucoup qui ont reviré leur chaîne en true crime, qui ont viré en paranormal, qui ont viré sur d'autres choses, d'autres contenus, juste parce que c'est des vidéos qui font un peu le buzz en ce moment. Hein, c'est ce qui fonctionne, le true crime, c'est ce qui fonctionne en ce moment. Mais... Je pense que là, c'est une suite logique, en fait. C'est une renaissance de la chaîne assez logique. Donc, je culpabilise un peu moins, surtout que vous m'avez beaucoup rassuré pour ceux qui étaient dans le live, et je vous en remercierai jamais assez, je crois, parce que vous avez vraiment, vraiment réussi à me rassurer. Et voilà, du coup, en live, on a décidé que du coup, l'Alphabet Challenge, on recommençait à zéro, mais en version DIY. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, puisque c'est là que je ferai les sondages. Et comme j'ai expliqué, du coup, je ferai un premier sondage en sachant quelle forme de DIY faire, enfin quel genre, soit une licorne, soit un dragon, soit une fairy house, hein, les petits pots, soit autre. Et à ce moment-là, je verrai suivant le thème que vous me donnerez, suivant la lettre, c'est celui qui ressortira le plus. Et là, je verrai ce que je peux faire. Je pense que par rapport à ma créativité, c'est... ce qui me permettra le plus de la mettre en action, de mettre ma créativité et mon imagination en action avec ce genre de vidéo qu'en make-up, où on est plus limité, puisque j'ai qu'une face, hein, j'ai que deux yeux. Mais voilà. Donc, franchement, je remercie tous ceux qui étaient sur le live, vous m'avez vraiment reboosté à fond. Le dimanche soir, j'étais bien. Ce matin, je me suis levée bien, de bonne humeur, vraiment plus légère que ces derniers temps, parce que ça fait quand même beaucoup de semaines que ça me trotte dans la tête. J'en avais parlé à personne, en fait, avant dimanche, parce que je voulais voir si c'était pas juste une passe, parce que vous savez que chez moi, il y a beaucoup de passes. Alors, la couture, c'était pas une passe, c'est juste que je n'y arrive plus. Voilà, j'ai... avec l'arthrose et la fibro, ça fait un bon moment que je n'ai pas réussi à coudre. En fait, les vibrations de la machine, hein, parce que quand on coud, ça vibre, vous avez beau faire. Et à la longue, ça commence à m'engourdir les doigts, les mains, les coudes. Et ça, après, ça me fait un mal de chien. Il me faut des heures pour que ça passe, que j'ai moins mal. Donc, pour l'instant, je ne peux plus. Voilà, je vais voir avec la kiné maintenant si... si j'arriverai, après des petites pièces je peux faire, hein, parce que là je voulais me refaire un petit sac, une petite sacoche pour changer un peu de modèle, ça je peux faire, j'ai raccommodé le pantalon de Georges la dernière fois, ça je peux faire. Maintenant faire une grosse pièce, faire des vêtements complets, je ne peux plus, quoi, c'est juste pas possible. Ou alors il va me falloir 6 mois pour faire une pièce, autant pas la commencer, quoi, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, franchement, merci. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, vous m'avez vraiment aidé. C'est ce que j'avais besoin. Et donc le soir, oui, alors j'ai voulu créer une deuxième chaîne. Ça, c'était le conseil aussi de Chérie et de certaines personnes sur le live en me disant créer une autre chaîne. Et c'est ce que je m'étais dit, je vais essayer. Comme ça, je verrai si avec l'algorithme, en créant une nouvelle chaîne, si je passe plus devant avec l'algorithme et tout ça, si j'ai plus de visibilité. Sauf que, j'avais complètement oublié au bout de 11-12 ans, là, que on ne peut pas mettre des vidéos de la longueur qu'on veut. Je crois que je ne peux même pas encore mettre de shorts. Enfin, on ne peut pas mettre la miniature personnalisée. Enfin, vous voyez, c'est... Alors, du coup, ça m'a pompé. Donc, le contenu se fera sur ma chaîne, ici. J'ai pas envie de perdre cette chaîne à laquelle je suis hyper attachée. Et les abonnés qui sont là, voilà. Donc...
Je sais que la plupart me suivront si je fais une autre chaîne, mais on est très bien ici, on est chez nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bref, le soir, le dimanche soir, donc hier soir, j'ai été voir un film d'horreur chez mon frère, on a été voir l'exorciste du Vatican, puisqu'on n'arrivait pas à aller voir au cinéma, donc on l'a regardé sur l'IPTV. Et bon, c'était un beau film, franchement j'ai bien aimé. Enzo me disait qu'il était nul, nous on a adoré l'histoire, voilà. Bon, je vous spoil pas, hein, mais si vous aimez les films d'horreur dans le genre de possession, c'est un beau film à voir. Donc je résume un peu pour la chaîne, comme ça vous avez le résumé pour ceux qui ne me suivent pas. Allez quand même voir le live parce que vous allez voir dans quel état de momotion j'étais, parce que j'étais très momotionnée, hein, ils m'ont fait chialer, hein, voilà. Mais donc on passe en full DIY plus vlog. Il y aura toujours des vidéos ongles. Il y aura plus de live du coup, puisque on va faire des DIY en live. Et que vous avez vu le dernier, il y en a fallu 4 pour le finir, donc on fera plus de live. Maintenant, je ne sais pas si on les mettra que le samedi, par exemple, en sachant que ça peut sauter. Si j'en mets un dans la semaine et un le week-end, s'il ne saute pas. Ou si je les mets vraiment plic-ploc, comme quand j'ai, ben voilà, en me disant, bah tiens, demain soir ou ce soir, je peux avancer un peu le DIY, donc hop, je prépare le live, quoi. Voilà, ça je vais mettre un sondage sur Insta, il sera déjà passé pour vous, hein, parce que je pense que je vais le mettre aujourd'hui, mais n'hésitez pas quand même à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il y aura aussi plus de concours. Alors oui, ça sera des concours avec les DIY que je fais, mais il y aura plus de concours. Et au moins, je pourrai gâter plus de gens que ça intéresse que de devoir acheter du make-up et faire un gros lot. Ben là, par exemple, les trucs qu'on fera en live, d'office, ceux qui étaient sur le live et qui sont intéressés par l'avoir, ils auront la chance que je tire au sort leur nom, quoi. Donc voilà. Les make-up de temps en temps en vidéo, temps en temps en réel, slash short pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Et donc l'alphabet challenge, on le passe en DIY et on recommence à la lettre A. Et je ferai les sondages sur Insta. Voilà, ça résume pas mal. Les vidéos ongles, reste, je crois que je vous l'ai déjà dit. Bien sûr, il y aura toujours les hauls, hein, puisque je ne vais pas arrêter de commander sur AliExpress, sur Chine ou les Action, surtout que c'est mes fournisseurs officiels pour les bricolages. Donc voilà. Je pense qu'on est quand même pas mal, parce qu'en fait, la seule chose qui va changer, c'est qu'il n'y aura plus les vidéos make-up, alors que vous n'en aviez plus qu'une par semaine, quoi. Vous voyez, par exemple, les produits finis, il y aura toujours aussi, puisque je vais continuer à me laver et à prendre soin de moi, même si je me maquille moins. Bah là, c'est les beaux jours qui reviennent, donc forcément, c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai moins envie de me maquiller. Quand il fait chaud, c'est pas agréable d'avoir une couche de fond de teint sur la gueule, hein, on est d'accord, mais voilà. Donc, je pense que on peut être pas mal. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous n'étiez pas sur le live. N'hésitez pas à aller me noter ça en commentaire sous la rediff du live aussi que vous avez en barre d'infos. Comme ça, ça m'aide à vraiment à regrouper vos avis. Et voilà, j'espère juste que vous resterez, hein, les plus fidèles, ceux qui me suivent depuis longtemps et tout ça, que vous n'allez pas m'abandonner dans cette nouvelle aventure. Parce que comme je disais, s'il y en a des anciens qui partent, ou même des nouveaux à qui je me suis hyper attachée, des plus récents, des moins récents, des plus âgés, des plus jeunes, j'aurais l'impression de perdre un membre de ma famille, quoi. Vous voyez, et ça, c'est juste pas possible. Je peux pas. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous reprends tout à l'heure quand le kit polymère sera arrivé. Comme ça, je vous montre juste vite fait. Hein, je vais pas épiloguer dessus puisque j'ai prévu de faire une vidéo découverte. Donc, mais je vous montrerai quand même ça. Ou je vous montre demain. Ouais, je vous montrerai plutôt demain. On va switcher. Comme ça, moi, demain, je vous montre ça. Et je vous montre en même temps les moules que j'ai fait pour la fimo et l'argile et tout ça. Comme ça, ça vous donnera une idée aussi. Et voilà. Et moi, je vais aller bricoler maintenant. Puisque du coup, vous m'avez reboosté. Donc, j'ai encore plus envie de bricoler. Voilà. Et il faut que je fasse un test aussi. Mais ça, je vous en parlerai dans la semaine. En fait, j'ai reçu mes moules en silicone. Vous savez que je fais comme j'ai fait la licorne qui est dans mon fond et tout ça. Sauf que le nouveau plâtre, il n'est pas assez costaud. Alors, je ne sais pas comment ça se fait. Quand je démoule, il se casse. Alors que suite chez Action, ça m'est jamais arrivé. Donc, je vais aller racheter du plâtre chez Action. Mais en attendant, je voulais voir si en mélangeant mon plâtre que j'ai là avec de la farine, comme quand je fais la pâte de texture, là,
Si ça n'irait pas, si ça serait pas plus solide. Donc je vais tester ça tout de suite d'ailleurs. Voilà. Comme ça on verra demain ou après-demain quand ça sera sec, si c'est plus costaud au démoulage. Parce que ça me fait peur. Bref. Bon bah sur ce, on suit toujours. Alors, il est midi moins le quart. Voilà, je vous prends en vlog et puis je mange et puis je vais dormir. Enzo part vers 13h, bon, d'ici 1h pour aller au boulot. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai rangé, j'ai oublié de vous le dire hier, mais j'ai rangé de nouveau les tiroirs sous les titi pour pouvoir ranger la fimo qui va bientôt arriver parce que j'ai recommandé hier. J'ai trouvé un lot de 80 pattes fimo neuf pour 85€ sur Vinted. Donc je vous conseille franchement, si vous voulez débuter, d'acheter directement. Alors après, je ne l'ai pas testé, hein, mais les pains sont beaucoup plus gros. Donc je vous conseille d'acheter directement sur Vinted de la vraie fimo, je pense que. Et il y en a d'autres. Là, j'ai une autre marque aussi que j'ai commandé, deux autres marques, je crois. Artix, il me semble, et patati patata. Juste le nom m'a fait rire, mais bon, c'était 2€. Attendez, je vais vous dire ça, tiens. Je vais vous donner les prix détaillés de ce que j'ai acheté. Attends, madame. Donc, j'ai acheté le lot, là, pour 85€ à la dame. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a 80... pains neufs entiers, il y a 12 demi-pains et de nombreux pains entamés. Donc il y a moyen de moyenner. En fait, au départ, elle l'a mis à 100€ et elle a marqué en dessous prix négociable. Donc j'ai envoyé un message pour voir jusqu'à combien c'était négociable. Je m'étais dit, elle va dire 90, 95. Moi, j'aurais bien mis 80, 85 et elle m'a dit d'office 85. Hop, je prends. J'ai pris sur mes économies dans 1000. Voilà. Riley, j'en ai pris un autre pour 5€ d'Artix, c'est la marque Artix, et il y a 10 pains, donc voilà, on pourra tester, 10 pains de, est-ce que le poids est marqué dessus, ça a l'air d'être déjà assez gros, hein. 57 grammes, donc ils sont encore plus gros que les fimo. Là, pour 5€, j'ai un lot de 6 pattes fimo plus 5 outils qui ne me serviront à rien, mais ils sont dedans. Je regarde parce qu'il y en a beaucoup. Hein. 15€ ici, un kit avec outils en porte-pièce. Bon, quelques sachets sont ouverts, mais à part ça, ils sont tous neufs. Et il me semble qu'il y en a 19. Sauf que c'est celui que j'avais compté. Non, peut-être pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 19. C'est bien ça. Donc là, ça me revenait à moins d'un euro le truc. C'est celui que je viens de regarder ou pas? Non, 25€ ici. Combien est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est écrit? 16 non ouverts et quelques-uns d'ouverts. Et 12 pâtes fimo, là, que j'ai pris. Ah non, j'ai pas commandé les patati patata, finalement. Là, il y en a 2, 4, ben 12 pâtes fimo, plus les cannes. Qu'est-ce que je suis con, c'est marqué en gros dessus. Pour 16€. Donc, voilà tout ce que j'attends. Là, j'en ai une qui m'a envoyé un message. À la vente, la madame. Là, je vais me calmer. Donc, moi, hier, j'ai reçu le kit que j'ai commandé sur Amazon et je vous conseille pas du tout. Petit spoil pour la vidéo de lundi 26, mais ça fait beaucoup de couleurs, mais les pains sont rikiki et ils sont pas super qualis, quoi. Donc, voilà. Moi, je les ai triés parce qu'ils étaient même pas rangés par couleur, donc ça m'a stressé d'office. Ils étaient mis vraiment plic-ploc. Plus, il y a un étage aussi que j'ai mis les outils à l'intérieur. Mais vous aurez plus de détails dans la vidéo, donc pas celle de lundi pour vous qui vient là, mais celle de lundi d'après. Et j'ai donc testé, et je préfère celle d'Action. J'ai fait des petits renards, mais je ne vous montre pas maintenant, il faudra aller voir la vidéo. J'ai fait des petits renards et du coup j'en ai fait un avec cette pâte là.
Pour pouvoir faire le corps, j'ai dû mélanger 4 pâtes de couleurs similaires pour avoir une couleur et pouvoir faire le corps. Et j'ai fait un autre de chez Action pour voir la différence. Et moi, je vois une différence, mais vous me direz si vous voyez ça dans la vidéo du lundi. Ça, je vous en ai parlé. Je suis frotte ? Non, c'est bon. Et j'ai donc fait mes petits moules moi-même avec de la colle, colle chaude. Hein. Donc j'ai pris tous mes petits trucs que j'avais, mes petites décos. Là par exemple j'ai pris, alors je ne sais pas si vous allez voir le détail du moule, mais ça fait une feuille. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, peut-être comme ça avec ma main derrière. Donc ça fait une feuille et en fait c'était une boucle d'oreille. Voilà, tout simplement. Ici j'ai fait un moule avec les sucettes là, hein, que j'ai mis sur ma maison. Candy cane là, enfin candy machin, un coquillage. Bon, celui-là il y a un petit peu des trous, mais c'est pas très grave. Une petite tortue, j'ai trouvé ça dans ce que Manon m'avait donné. Une petite baguette magique, on va dire, coquillage, un gobelet slash biberon, une petite patte comme ça que j'avais eu sur les porte-clés. Donc ça peut être pratique pour si je fais des animaux, ça peut toujours me faire la. Un petit donut aussi, j'ai fait le moule aussi, comme ça, quitte d'en racheter, en fait, je pourrais les faire moi-même avec toute la fimo que j'ai, enfin, que je vais avoir, une fleur. Et ici, j'ai fait de mon truc de téléphone. Donc, j'ai deux coques de, enfin, j'ai plusieurs coques de téléphone, mais je change avec une chaîne, là, et il y a un petit nounours qui pend. Donc là, je l'ai fait en argile, sinon, ça aurait bouffé beaucoup trop de colle. Enfin, vous voyez le principe, quoi. Donc là, je l'ai fait en argile, et ensuite, j'ai bombé... avec de la finition brillante pour que ça colle pas trop dedans. De toute façon, je mets de la farine hein, dedans pour empêcher que la fimo elle colle dessus. Et voilà, et donc ces petits trucs-là, vu qu'en plus elle est très dure à travailler, donc je garderai exprès pour ce genre de moule, les petits détails, vous voyez, faire des petits yeux, des moustaches, je sais pas. Enfin, je trouverais toujours bien à utiliser ou mélanger avec de l'autre pour avoir une teinte unique. Maintenant, je vais quand même refaire deux petits dragons parce que là, bon, je vous ai dit, j'ai fait des renards, mais je vais essayer quand même deux petits dragons parce que c'est ce que j'ai fait le plus jusqu'à maintenant. Toujours un Amazon et un Action. Comme ça, je verrai si... je suis plus satisfaite. Les renards, je vous avoue que je suis pas hyper satisfaite. C'était les premiers que je faisais. Ils sont pas moches, hein, mais c'est pas les plus belles choses que j'ai fait de ma vie. Voilà, voilà. Ah, et j'ai reçu enfin réponse. Mais. Donc je vous ai dit que j'attendais la petite réponse. Apprends à lire, mamie. Mais que j'attendais la petite réponse pour mettre sur la tour réponse que je dois faire en DIY. Sauf que. Je l'ai reçu, j'ai reçu Cendrillon aussi. Elle est énorme. J'avais pas vu la taille. Je pensais que ça serait Rikiki. Elle est énorme. Écoutez, je vais la monter avec vous. Désolée pour le bruit de papier. Elle est pas petite. Donc, Dénéric, je suis désolée, je ne pourrais pas te la mettre sur la déco. Mais bon, je pense que je la mettrai en plus dans le colis parce que moi je vais rien en faire. Je vais voir. Donc le corps est détaché de la tête et du socle. Hein. Et l'éclipsé, c'est comme la Harley Quinn que j'ai en haut. Attendez, il y a deux. Pourquoi il y a deux trous? Ah oui, comme ça. Ok, d'accord. Plus l'autre, je vois pas. Il rentre dedans. Oh, ne pas mettre son pied dans le bazar. Elle est trop jolie, n'empêche. Hein. Elle est trop belle. Je vais peut-être me la garder finalement. Je vais mettre le petit Pascal ici. Elle est trop belle. J'adore réponse. Et donc Cendrillon, c'est la même taille. Hein. Que je voulais mettre avec le carrosse mais que
pourrais pas, sinon faut... Là, si je veux faire la tour à peu près à l'échelle, il faut que je fasse une tour de 3 mètres de haut, c'est pas possible. Non, je n'exagère pas. Je n'exagère jamais rien. Bah du coup, Cendrillon, ce sera pour Manon. Hein. Je sais qu'elle adore Cendrillon. Donc pareil, hein, le socle est détaché. Là, c'est les deux pieds qui se fixent. S'ils veulent bien rentrer dedans. Non, je ne veux pas. Dans le sens. Et la tête. J'assassine. Et voilà donc la petite Cendrillon. Elle est belle, hein. Et vous voyez, par rapport à ma main, c'est énorme. Elles sont plus grandes que ma main. J'aime trop. Donc ben celle-là, je la donnerai à Manon. Je sais qu'elle adore Cendrillon. Voilà, voilà. Mais réponse, je pense que je vais me la garder. Désolée Daenerys, hein, mais je pense que je vais me la garder. Elles sont trop belles. Et du coup, je vais mettre le petit Pascal dedans. T'auras la tour, ma foi. Moi, je garde les Gugus. voilà. Bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui. Je ne pense pas. J'ai un petit, bah j'ai AliExpress qui est arrivé avec ça et un truc pour Halloween. Alors c'est un des derniers trucs que j'ai commandé et j'ai déjà reçu. Et j'attends toujours certaines choses. Et les moules en silicone, là, le clap plus la farine, ça marche pas non plus. Donc là j'ai envoyé un message à Chéri, je ne sais pas s'il a déjà vu. Qui si. Oui, il a vu. Qui s'il rentre pas trop tard du boulot, parce qu'aujourd'hui il est en déplacement chez un client. Donc s'ils ne rentrent pas trop tard, souvent ça arrive quand il est en déplacement client, qu'il rentre plus tôt, il va manger avec eux et puis après il rentre. Donc qui passe chez Action, acheter du plâtre, des cure-dents, parce qu'on prend des cure-dents. Donc voilà, et de la super glue aussi. Parce que ça colle la fimo. J'ai essayé, bah, je vais vous montrer tant qu'on est là, je vous parle de colle. J'ai essayé cette colle-là que j'ai acheté chez Action de chez Patex. Donc c'est une colle contact T-gel. Normalement ça colle tout, mais elle colle pas bien. Et c'est en fait c'est un gel, oui, d'accord, mais jaune, pâteux comme ça, tout bizarre. Alors, je vais essayer de vous en mettre juste sur le bout. Vous voyez. Et bah du coup ça reste de cette couleur là, donc ça fait hyper bizarre sur quand je recollais un petit bout de fimo qui a sauté. Et j'ai acheté aussi de la Cléopâtre adhésive colle gel forte, mais je viens de voir, je viens de le voir, hein, ça fait 3 fois que j'essaie de coller de la fimo avec, c'est pour papier carton. Donc c'est normal que la fimo ne tienne pas, donc l'idéal ben, reste la super glue. Je voulais essayer de trouver un pot comme ça de colle forte, mais je ne sais pas, un plus gros quoi, que les tout petits tubes comme ça de super glue, parce que j'ai horreur d'utiliser ça, ça colle partout, ça coule, après au bout d'une utilisation on ne sait plus ouvrir le capuchon. Donc si vous connaissez une colle forte qui peut me permettre de coller la fimo, l'argile et des trucs comme ça dans ce format là, ben dites-moi ça en commentaire. Voilà. J'ai regardé plusieurs colles chez Action et j'ai celle-ci aussi qui colle bien, mais qui est plus adaptée pour l'argile, je pense, et qui fait pareil, un peu comme la colle chaude et des fils. Mais il faudrait que j'essaye quand même de coller la fimo avec, parce que celle-ci elle est vraiment pas chère et elle est pas mal déjà pour l'argile. Donc c'est vrai que je pourrais essayer avec la fimo, j'ai oublié. Voilà, voilà. Bah moi, ouais, je vais manger, je vais aller à la sieste. Il faut que je re-range un peu mon tiroir là pour la fimo, parce que je vais bientôt recevoir. Mais ça, je vous montrerai une fois que j'aurai reçu quelques pains de fimo, fimo que j'ai commandé sur Vinted pour vous montrer ce que ça donne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah rien.
Ouais, moi après je vais bricoler un peu, il faut que je peigne mon chou. Ah, je vais vous montrer mon chou. J'ai fait criqui, je sais plus si je vous l'ai montré hier ou pas. Je vais vous le remontrer au cas où. Oui, je crois que je vous l'ai montré. Je perds la boule. Donc j'ai fini le mouchou pour Amy, j'ai plus qu'à le peindre. Il est pas trop mal. Donc là, je l'ai fait en argile, hein, parce que comme c'était quand même une grosse pièce, faut que je vois une fois qu'il sera peint. C'était quand même une assez grosse pièce, donc j'avais pas assez de fimo pour le faire en fimo, ce qui aurait été beaucoup plus mieux. Et du coup, je mettrai le petit criqui que j'ai fait là en fimo, je le mettrai, je pense, ici, près de... Vous voyez, comme ça. Comme ça, elle a les deux. Et voilà, donc ça, j'ai plus qu'à le peindre. Et je dois peindre aussi. Bon, je me relève. Je dois peindre aussi celui-là. Donc là, je viens de voir qu'il a recraclé ici. Il va falloir que je le... ressoude un petit peu. Il y a une petite fissure ici et même à l'arrière. Donc il va comme ça. C'est mon dragon lune. Alors c'est quand même assez fin. Là je l'ai fait en argile puisque je n'avais pas de plâtre. C'est pas l'idéal. Hein. C'est pas très net à l'arrière. Vous voyez, c'est tout cabossé, tout pas beau. Mais j'avais trop envie de le faire. Donc là, j'ai fait en argile, je vais le peindre et j'essayerai de le faire en plâtre quand j'aurai du plâtre et je verrai lequel je préfère. Et au pire, j'en offrirai un à ma belle-sœur, je sais qu'elle aime bien les dragons. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, je n'ai rien de plus à vous dire. Donc, on suit le jour. Et je me gratte l'œil en même temps. Voilà. Focus, merci. Alors, il est 10h05. J'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui. Là, les garçons sont partis au petit sport un peu plus loin. Enzo bosse de 2-10 cette semaine et de 6-2 la semaine prochaine. Il m'a ramené des chocolats. Des chocobons. Des Kinder Surprise Avatar, j'en ai déjà mangé un. Hein. On a ramené des Raffaello aussi, mais ça c'est pour son papa. Parce que moi je n'aime pas. Et un gros Kinder Surprise Avatar. C'est dommage qu'il n'y avait pas les Kinder Joy Harry Potter. Donc hier, du coup, j'ai mangé un Kinder Surprise et il y avait ça dedans. Oh, allez. Ce focus. Il veut pas. Enfin bref, c'est un oiseau, le chat avatar, enfin un machin. Je sais plus comment ça s'appelle. Je ne parle pas le avatarien. Le navi. Et donc, comme j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup de fimo que j'ai trouvé sur Vinted, là j'ai fait un lot, j'attends que la dame me le truc pour négocier. 3 lots de 20 pattes pour 60 euros sans la négo. Donc j'attends, mais c'est depuis hier que le lot est créé et que la dame n'a même pas vu rien. Il faut être réactif hein, sur Vinted parce que là s'il y a un lot qui part je vais un peu être dégoûtée. C'est beaucoup de la cernite, donc comme ça j'aurai un peu toutes les marques pour pouvoir tout tester et un peu toutes les couleurs. Mais du coup comme j'attends énormément de pâtes fimo, quand je vous dis c'est vraiment beaucoup. Du coup on va aller racheter un meuble Alex que je vais mettre là en dessous de la cage des Titi, comme ça il n'y aura plus l'écart qu'il y a entre les deux. Et je pourrai ranger ma fimo dedans. Comme ça, j'ai tout à portée de main. Voilà. Et je vous répète que le coffret que j'ai acheté, donc vous aurez la vidéo pas tout de suite. Je sais plus, c'est pour quand, je vous l'ai dit hier. Hein. J'oublie tout, moi.
Donc c'est pas pour lundi qui vient, c'est pour le lundi d'après, le kit Amazon là, que je vous ai présenté là. J'ai fait un petit dragon cette fois-ci avec, qui va encore absolument pas vouloir me faire le focus. Alors il est beau, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Oh mais ce focus là, qu'est-ce que ça m'énerve. Voilà. Il est beau, hein. Vous voyez, mais le problème c'est que ben elle casse, elle sort du four, elle casse, la queue s'est cassée alors que c'est que d'un bloc. Hein. La tête est décollée, j'ai dû la recoller aussi. Et j'ai pas ça avec celle de Action. Hein. Je vous jure que chez Action, je dois rarement recoller sauf si j'ai les petites pièces. Là, ça m'étonne que les cornes ne sont pas encore tombées, les petits trucs là. Mais ce genre de petits trucs chez Action, ça peut m'arriver aussi si je les ai pas bien soudés. Mais sinon, je dois pas recoller comme ça. Là, je dois recoller à chaque fois, quoi. Chaque fois que ça sort du four, une pièce que je fais avec, je dois recoller. Donc, je vais voir. Quand je vais recevoir la vraie Fimo, je vais voir. Soit je garde celle-là pour faire des mélanges ou des petites pièces. Et sinon, je revendrai sur Vinted aussi. Ça me ferait toujours ça de récupérer sur mon investissement. Et voilà. Donc, je vous montrerai le rangement Fimo. En dessous de la cage des titis, mais ce sera pour la semaine prochaine dans le prochain vlog, parce que là, je sais pas du tout quand est-ce qu'on va aller chercher le meuble. Il faut que chérie me le monte et il faut que je reçoive mes Fimo pour les ranger dedans, donc on a encore un petit peu le temps. Et voilà, bah écoutez, moi je vais attaquer l'alphabet challenge que vous aurez vendredi, vous. Ah, je peux peut-être déjà vous donner le planning, tu vois, comme ça c'est fait. Bah, de toute façon, on se retrouve tous les jours en vidéo, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, les dragons des quatre éléments, donc terre, eau, feu, air. L'alphabet challenge, du coup, version DIY avec le A pour Anana. En live, samedi, si pas d'imprévu, hein, je le répète, parce que voilà, je ne peux pas prévoir à l'avance si j'aurai un imprévu ou pas. Et donc les lives c'est à 20h30. Là on attaquera donc le DIY petite sirène, tirelire de l'océan. Et dimanche le vlog. Et voilà. Bah écoutez, je n'ai absolument rien d'autre à vous dire. Je réfléchis, hein, mais je crois pas. Donc là je vais commencer le ananas et après, je ferai, tant que ça sèche, je ferai la cage des titis. Je pourrais peindre mon dragon là sur la lune, hein, parce que j'aimerais l'accrocher au mur. Et puis, on verra bien où j'en suis. Je pense que j'attaquerai aussi le DIY du Disney Challenge, puisque voilà, j'en ai discuté avec Manon, et elle a trouvé qu'on pouvait essayer de voir qu'elle, elle fasse un make-up et moi un DIY. Donc, c'est sur Alice au Pays des Merveilles, et voilà. Le B, du coup, je vous ai fait le sondage. Donc, c'est le vendredi d'après. Vous avez déjà le planning sur 15 jours. L'alphabet challenge B, ça sera donc une licorne bonbon que j'offrirai à mon petit bonbon Jess. Voilà, obligé. De la chaîne Live by Tissia Miel. Ou Tissia Miel, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et de son compte Insta aussi, puisqu'elle fait des créations, elle en perle, des bijoux en perle. Donc voilà, elle a une boutique officielle, si ça peut vous plaire. Donc je vous mets ça en barre d'infos. Et je lui offrirai, puisque je l'appelle mon petit bonbon. Donc voilà. Et après, j'ai trouvé pour le sondage pour les prochains. Attendez, j'ai pris une capture d'écran pour ne pas me planter. Donc je suis désolée pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, hein, mais les sondages se feront par là, puisque c'est beaucoup plus simple. Donc vous aurez le premier choix à faire avant de donner le thème. Ça sera soit Fairy House, soit Déco, soit Dragon, soit Licorne, soit Autre Animal. Voilà, comme ça on peut varier. Il y a beaucoup de variations possibles dans tout ça. Après, c'est vrai que les licornes, c'est un peu comment est-ce qu'on dit? Ma zone de confort. Puisque je gère mieux les dragons que le reste. Mes renards, j'arrive toujours pas. Ils sont pas laids. Ils sont pas laids. On peut pas dire ça. Ils ont juste l'air un petit peu débiles. Voilà. Et Mouchou. Ah oui, j'ai fini Mouchou. Ah bah je vais vous montrer Mouchou. J'ai fini Mouchou. Il a l'air un petit peu sous coque.
Mais je vais vous montrer. Bouge ta tête ou je m'assieds sur toi. Je m'assieds sur toi. Je m'assieds sur toi. Déjà qu'elle me pique la moitié de mon fauteuil là. Donc voilà mon chou. Alors le corps, ça va. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la bonne couleur. Mais alors la tête, vous n'êtes pas prêts. On dirait que c'est un radio cook. Et donc il y aura le petit criqui qui ira quelque part par ici. Avec. Voilà. C'est trop chaud. Amy, elle a dit qu'il était beau. Donc c'est le principal. Puisque c'est pour elle. Là, j'attends de recevoir des moules pour faire un truc aussi pour Manon. Mais là, ça sera en plat. Et voilà, j'ai de nouveau la floutitude qui me... Ah, ça y est. Donc, j'ai hâte. Voilà. Donc, pour les sondages pour les Alphabet Challenge, je vous rappelle que c'est sur Instagram. Donc, vous avez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me suivre. Puisque je poste quand même régulièrement des stories et tout ça, qui parle un peu de tout et n'importe quoi. Hein, et c'est là que je fais les sondages parce que c'est beaucoup plus facile qu'ici, même si c'est pas totalement le même public, mais l'option communauté, il y a personne, enfin il y a peu de monde qui le voit, donc l'onglet communauté, qui sait plus parler. Voilà, voilà. Et pour les autres, ben j'ai déjà des idées. Il y a que le C, je crois que j'ai pas trouvé, quoique j'hésite. Mais là, je vous ferai un sondage pour voir si vous avez le même truc que moi. J'ai pensé à un dragon cirque pour le C, cirque. Le D, ça sera dinosaure. Le E, emoji. Le F, fée. Le G, gnome. Le H, hibou. Le I, je sais pas. J, jardin. Le K, croque-mou. C'est Sam qui m'a demandé. Le L, lune. M, marbre. N, nuage. O, j'ai mis oiseau, mais je voulais. En fait, pour le P, j'hésite entre un pan et un panda. Mais, puisque pan, ça devait être celui de l'Alphabet Challenge Makeup. Nuage aussi, d'ailleurs. Lune aussi. Du coup, j'avais mis oiseau pour faire le pan et le panda. Mais j'hésite, je ne sais pas. Q, je ne sais pas. R, rose. S, sirène. T, trésor. Et V, vache. Ça sera un dragon vache. Pas une vache, mais un dragon vache. Voilà. Et le reste, je ne sais pas. Maintenant, je vous ferai quand même les sondages pour voir si on est un peu sur la même longueur d'onde, je crois. Je ne sais pas. Ou alors, je fais pour ceux qui m'inspirent pas trop. Mais en fait, comme il y a des trucs que j'avais déjà prévus, je les ai intégrés dans l'Alphabet Challenge. Par exemple, le dinosaure, je devais les faire pour le fils du copain d'Amy. Les emojis, c'est pour mon neveu. Le hibou, je voulais le faire pour mon fond. Gnome, je voulais en refaire pour Charline. Sirène, c'est un truc que j'ai prévu pour Manon. Donc, vous voyez, c'est un peu des trucs que j'avais déjà prévus et que j'avais pu intégrer dans l'Alphabet Challenge. Donc, voilà. Je trouve ça sympa. Dites-moi si la liste vous plaît. Et voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, j'ai rien de plus à vous dire. Je vais faire ce que j'ai à faire et nous, on se retrouve demain. J'ai oublié de vous dire, ce soir pour moi, il y a le DIY œuf de dragon qui sort. Et pour ceux qui ne suivent pas vraiment les vidéos, mais plus quasi que les vlogs, sachez qu'il y a quand même le concours pour que vous puissiez en gagner un, enfin deux, un gros, un petit, sous la vidéo du DIY. Donc je vous remets la vidéo en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez avoir un petit œuf de dragon que je vous ai fait, enfin un gros et un petit, bah c'est sous la vidéo DIY que ça se passe. Voilà. Alors, il est 9h40. Attendez, j'ai le pied qui gratte. Ouh, j'ai le pied qui gratte. Ouh, ça gratte. Ouh, ça pique. Donc. Le Rayleigh est en train de me chenouper les pieds. Je suis réveillée depuis 5h moins le quart. Donc j'ai fimoté ce matin, voilà. J'ai fimoté pas mal hier soir aussi. En fait, comme j'ai bientôt... Chérie va me chercher... Ça m'énerve que je suis floute. Chérie va chercher mon meuble. Alex, aujourd'hui, normalement, s'il finit pas trop tard le boulot, comme ça, il passe directement après le boulot. Sur le site, on sait voir dans quelle rangée, quel allait, le numéro et tout ça, pour aller le chercher directement sans passer par tout le dessus de Ikea qui est... très long à faire. Donc normalement il va me chercher ça tout à l'heure. J'espère qu'il aura le temps de chercher. J'ai déjà deux colis de Fimo qui sont arrivés au Mondial Relais. Je pense que je vais en avoir encore un ou deux qui vont arriver aujourd'hui.
Je crois que le livreur vient vers 10h, 10h30, donc je vais attendre pour lui envoyer un message, voir si j'en ai d'autres qui arrivent. Comme ça, je peux. S'il me le montre aujourd'hui, hein, il me le montrera peut-être que demain. C'est pour ça que je vous montrerai tout une fois que j'aurai reçu tous mes colis de Fimo. Je vais avoir un stock de Fimo. Comme ça, je peux bien réorganiser mes tiroirs et je vous montrerai ça. Je me demande même si je ne vais pas faire une vidéo spéciale rangement DIY. Enfin, au moins ce que je range en bas, quoi, l'argile et la Fimo. Plus les apprêts. Et les outils. Voilà. Voilà pour ça. Donc hier, j'ai fait pas mal de DIY. J'ai envie d'en faire pour les petits déjà. Mais alors, j'ai commencé par peindre mon dragon sur la lune, là. Que j'installerai juste là, moi. Donc vous le verrez dans quelques minutes pour vous. Mais ce sera demain pour moi. Je vais l'installer là juste après, mais je voulais vous le montrer. Je vais quand même allumer la lampe. Je ne voulais pas l'allumer pour pas me... Mais... Ta-da-da-da-da. Il est trop beau. Il est sublime. Même ça m'a dit, oh la vache, il est beau. Alors, j'ai mis de la peinture. J'ai mis de la peinture métallisée caméléon. Et j'ai rajouté un fard à paupières dessus. Vous voyez ? Je voulais absolument faire la lune avec celui-là. Heureusement que je ne l'ai pas payé, hein, parce que c'est quand même un Carla cosmétique. Un Carla. Qui sont très chers, hein, ils sont à 25 ou 30 balles le fard à paupières. Enfin, ils sont plus de 20 balles, ça c'est sûr. Et j'ai presque utilisé tout le panne. Ils sont pas bien épais, hein, voilà, comme ça vous savez. Mais le rendu est trop beau. Voilà, de toute façon, j'utilisais pas le fard à paupières en lui-même, parce que c'est duochrome là, il y en a un peu partout. Mais du coup, ça rend trop bien. J'ai fait de la peinture kaki pour peindre le dragon. J'ai remis un petit peu de noir par-dessus. Et j'ai remis la peinture un peu holographique. Comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Et j'ai remis de nouveau le fard à paupières. Donc, je suis trop contente du rendu. Voilà, voilà. Alors, j'ai voulu faire pour mes neveux. Donc, il faut que je recolle la petite lettre parce qu'elle n'a pas tenu au four. J'ai fait un petit lizard pour mon titoun. Je suppose qu'ils vont regarder le live. Le vlog. De toute façon, Enzo, il va samedi, donc je lui demanderai de leur déposer en même temps. Voilà. Il adore les lézards. Donc, voilà. Pour... donc, Titoun, c'est Ethana. Pour Lucas, qui est à slash Lulu, je lui ai fait un petit serpent. Je savais pas trop quoi lui faire. J'entends une portière, j'attends le facteur. Voilà. Pour mon frère qui est fan de Dragon Ball, en attendant que je lui fasse Shenron, je lui ai fait une boule de cristal. J'ai fait ça ce matin. À 5h du matin. Voilà, j'ai mis 5 étoiles. J'avais la flemme de regarder où se plaçaient les autres. Je me souviens plus la boule à 7 étoiles, ce qu'elle fait. Et j'ai fait un mini dragon comme ça pour ma belle-sœur. Voilà. Enfin, je vous dis voilà, mais c'est pas tout. J'ai encore d'autres DIY. Voilà, voilà. Donc ça, je vais en refaire un pour Amy en mauvais noir, comme le gros que j'avais fait, mais en plus beau. Et j'ai fait deux petites licornes pour les filles. C'est des mini, hein. En fait, au départ, je voulais faire des porte-clés. J'ai mis l'anneau pour faire des porte-clés. Mais je pense que je vais plutôt mettre une lanière pour qu'elle puisse l'accrocher au rétroviseur de la voiture. Parce que j'ai peur qu'il ne soit pas assez solide en porte-clés. Vu que j'ai pas encore la colle. C'est ça que j'attends, en fait. Hier, j'ai commandé de la colle Fimo. Attendez, sur Amazon, elle est vraiment pas bien chère. Hein. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Et puis, on testera ça. Enfin, je testerai et je vous en dirai plus, je pense, la semaine prochaine. Donc j'ai commandé Cernit Glue, donc c'est de la colle à cuire en 80 ml. Donc ça vous mettez par exemple ici la tête du serpent. Bon, il y a une pique à l'intérieur et je lisse pour bien coller la pâte entre elles. Mais vous pouvez rajouter un petit point de colle comme ça pour être sûr que ça tienne bien à la cuisson. Donc c'est de la marque Cernit, colle à cuire 6,01 €. Le 01, on s'en fout. Et j'ai commandé deux cols extra forts. Valfacteur. Bon, c'est pas ça qui m'a amené, du coup, c'est un colis AliExpress que je vais ouvrir juste après, mais vous aurez le haut bientôt. J'ai commandé, donc ça je l'ai aujourd'hui aussi, de la colle
UU, Young Creative, idéal pour travaux manuels, art and craft, sans solvant, avec spatule intégrée, transparente, flacon de 100 grammes. Apparemment, elle est idéale pour les enfants et apparemment, elle colle tout. 4,49€ pour les 100 grammes, donc ça va. Et l'autre, j'ai pris de la UU, donc comme ça, je vais tester les deux. C'est encore de la UU, en fait. Je vais tester les deux, mais celle-là, il me semble que... Il me semble que j'en ai entendu parler sur des chaînes. Flexitube original, colle liquide universelle, ultra forte, multimatériaux, transparente, mais là, c'est 20 grammes pour 2,53€. Donc, je vais voir laquelle est la mieux, parce que j'arrive pas... À part la super glume. Alors, hier, j'ai voulu coller un truc... le strass, l'œil, ici. Là. Je voulais absolument mettre un strass. Donc, j'ai voulu coller le strass. J'ai de la colle, de la super glue classique de chez Action. Sauf que, alors, pour pas... Vous savez, quand vous utilisez la petite pipette ici, le problème, c'est que ça sèche et que vous savez plus l'utiliser. En fait, c'est le genre de truc à usage unique. Donc, je dévisse le capuchon et je trempe un cure-dent dans le flacon. Sauf que là, ça ne s'imbibait pas. Donc, j'ai un peu appuyé dessus, puis ça a craché. J'avais de la super glue collée partout sur les mains. C'est pour ça que je voulais absolument trouver autre chose comme colle. Et là, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, ça, c'est pour ma commande de hier. Je viens de faire une commande sur un site... Je vous dis pas lequel, parce que la livraison est hyper rapide. Là, j'ai commandé ce matin, et je vais être livré entre le 23 et le 28. C'est un genre d'AliExpress. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et si ça dépasse le 28, j'ai en plus un crédit de 5€ pour se faire pardonner du retard de livraison. C'est génial. Donc franchement, hyper rapide. Après, sur AliExpress, il y a des trucs qui sont rapides aussi. Hein. Et ouais, j'ai quand même claqué 50 balles encore. Hein. 55, je crois. Ouais, 53,47€ à la place de 85 quand même. Livraison gratuite. Voilà, écoutez, on verra ce que ça donne. C'est les mêmes choses que sur AliExpress. Il y a des trucs que j'avais dans mon panier d'AliExpress que j'ai pas su retrouver sur le site, mais il est un peu foutoir, il est un peu compliqué de recherche. Et le problème, c'est que ça ouvre à chaque fois une autre page. Si vous cliquez sur un truc qui vous suggère, ça ouvre une autre page. Alors des fois, je me retrouve avec une vingtaine de pages du site ouvertes là. Mais voilà, je me suis commandé des trucs assez intéressants, des casquettes pour moi et pour les garçons. Des lacets, vous savez, que vous fermez sans nœud, là. Ça, j'en voulais absolument pour mes Adidas. Enfin, vous verrez. Voilà. Combien de produits, combien d'articles il y a en tout, c'est marqué? Non. Attendez. Plus bas, peut-être. Non. Donc, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, puisque là, j'ai pris 3 fois le même. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça va. Ça fait une moyenne de 2€, un peu plus de 2€, on va dire, l'article. Ça va, ça va. Donc voilà pour ça, j'ai un autre serpent au four, enfin que je dois cuire, hein. Là je l'ai mis sur la plaque du four en attendant de faire les autres trucs que je dois faire, et je pense que je vais tenter d'en mettre un peu sur Vinted. Vous voyez, si je mets par exemple ces petites gusseries là à 6€, ce genre là, je vais peut-être les mettre à 9, ou je fais 5, 10, 15, et les plus gros à 15, ouais. Là à 10, les autres à 5 et les plus gros à un peu plus travaillés à 15. Écoutez, je verrai bien sa part. Et je me rechope encore un bouton de fièvre. De l'autre côté, cette fois-ci, là, c'était là la dernière fois, maintenant c'est là. On est content. Ben voilà pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. J'ai fait sortir les chichous. Ah, Riley, t'as les moustaches qui me piquent les fesses. Et couché, j'ai plus de place sur mon fauteuil. J'ai fait sortir les chichous à 6h30. Ils m'ont demandé pour sortir quand j'ai réveillé Georges. Donc je les ai fait sortir. Je viens de les faire rentrer là. Il y a un petit quart d'heure. Donc ils sont sortis presque 3h. Un foutoir. Ils sont déchaînés le matin. Il faudra que je vous les filme demain matin. Si j'oublie pas de les faire sortir ou si j'ai pas autre chose de prévu.
Et samedi, on va donc au parc merveilleux. Et je voulais encore vous dire un truc que je viens de tilter et que j'ai oublié entre temps. Ça fait pouf, pouf. C'était quoi hein? Eh bien, je ne sais plus. Ah si, l'installation. Vous savez, j'avais fait mon fond DIY, là, que je vous ai montré dans le vlog précédent, avec la bâche, là, rideau, je sais pas quoi. Et là, je viens de penser, j'ai ressorti mon bon vieux trépied Amazon, là, vous savez, qui s'oriente, que vous pouvez mettre à plat, pour filmer ici. Donc là, je vais essayer de faire ça, je vais filmer, là, je dois faire une vidéo et demie. Et je vais essayer avec ce format là, comme ça le truc traînera plus, parce que là il traîne sur la table, donc c'est pas mieux. Oh, regardez, tu me piques la fesse avec tes moustaches, elle a les moustaches pointues. Et je vais essayer ici, et comme ça, ça sera bien filmé du dessus, et si je veux vous faire un DIY avec ma tête en petite fenêtre, ben je vous filme comme ça, avec ici, bon le fond ça sera ça quoi, c'est pas... Entre le bordel là que les garçons me tapent tout sur le truc de la rampe et la cage des chichous. Mais voilà, c'est pas le plus important dans les vidéos DIY. Et là, je pense que je vais essayer de le faire comme ça, celui que je dois tourner maintenant. Et voilà. Donc vous me direz, c'est pour le A de Anana. Donc vous l'aurez ben, vendredi. Donc vous me direz sous la vidéo si c'était mieux filmé, bien cadré, si c'était intéressant de... Voilà, comme ça, on va un peu trouver nos marques ensemble. Hein. Vous me direz ce que vous préférez. Certes, je pourrais pas toutes les faire parler, parce que celles que je filme, par exemple, le soir, quand chéri regarde le catch ou le foot et qui gueule comme un putois, je peux pas filmer ça avec vous en bas. Hein. C'est juste pas possible, parce que sinon, vu les mots qui sortent, j'ai vite été censuré ou éjecté de YouTube. Hein. Même quand ils jouent, déjà, c'est... Voilà. Bref. Je vais aller achever mes petites gugusseries là, faire ma vidéo, faire pipi. Il faut que j'arrête avec le café. À chaque fois je dis ça, mais je bois toujours autant de café. Mais il faut que je me calme parce que j'arrête pas de pisser là en ce moment. Je vais me refaire un café froid, tiens. Bien que j'ai pas chaud, donc non, je vais me refaire un gros café chaud. J'ai même pas fini celui que je suis en train de parler de m'en refaire. Mais en fait, c'est ça, je suis constamment sous caféine. Dès que j'ai fini une tâche, je m'en refais une. Et après, chérie, rigole parce que ça coûte cher. Et les Dolce Gusto, le prix, il a bien augmenté aussi, hein. Donc comme ça, je vais faire des petites gugusseries pour mettre sur Vinted. J'essayerai en fimo. Donc si jamais ça vous intéresse. Après, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire que vous voulez en acheter et que me dire les couleurs que vous voulez. Hein, parce que vu le nombre de blocs de pain de fimo que je vais recevoir, j'aurai à peu près toutes les couleurs inimaginables. Hein, j'en aurai certainement plusieurs exemplaires. Donc si j'en ai trop, je pense que je referai un petit lot pour revendre. Ceux que j'ai trop d'exemplaires, sauf le noir et le blanc, puisque c'est la base. Mais, ouais, je pense que si j'ai beaucoup trop similaires, je reprendrai. Là, j'ai acheté, je trierai après. Et voilà. Et sur AliExpress, je me suis commandé aussi les pinceaux avec vraiment... Enfin, c'est des embouts en silicone pour bien lisser les bords. Et les lames pour bien décoller la fimo sur la déformée de mon plateau. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, bah écoutez, sur ce, je vais quand même aller faire pipi. J'avais rien d'autre à vous dire, hein, je crois. Moi, j'ai rien d'autre pour le vlog d'aujourd'hui, mais je crois que je vous ai tout montré. Je vais accrocher mon dragon, comme ça, vous verrez demain, enfin, dans quelques minutes pour vous. Et donc, sur ce, on switch le jour et vous allez voir ça. Et ben, on est déjà vendredi. Il est 11h05. Et. Ben, j'ai rangé mes tiroirs jusqu'à maintenant. Ce matin, j'ai fait... Enfin, j'ai pas arrêté. Depuis ce matin, je fais du rangement, du tri et compagnie. Il faut que je termine... Ah oui, j'ai verni le dragon d'Emmy. Je l'ai déjà monté. Donc, ben, vous le verrez pas, tout simplement. Et il faut que je termine le close-up de l'Alphabet Challenge. Comme ça, j'ai une vidéo qui est bonne. Ah ouais, mais attendez... Non, c'est pas la vidéo de ce lundi. Non, ouf, j'allais dire, j'ai pas fini la vidéo de lundi, mais c'est pour lundi d'après. Celles de la semaine prochaine sont prêtes. Ben voilà. Bah écoutez, à part vous donner le planning, j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui.
Là, j'attends, je prie pour que mon gros colis de 80 pattes Fimo arrive au Mondial Relais aujourd'hui. Comme ça, je peux faire les yeux doux à chérie pour lui dire, faut encore aller chercher un colis. Parce que c'est entre le 16 et le 20, mais il vient d'arriver au centre de tri à 10h, donc j'ai un gros doute là-dessus. Sinon, j'espère qu'il arrivera tôt demain matin, puisque Sam veut aller déposer son CV. Oh, elle mange la chaussure. Elle a trouvé une vieille chaussure qui traînait je ne sais n'un où, et ça fait une semaine et demie qu'elle s'acharne dessus. Voilà, bah, écoutez, le planning, je vous l'ai déjà donné, donc je vous le rappelle quand même. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, les dragons des quatre éléments. Vendredi, l'alphabet challenge A avec Oh non non. Samedi, live, si pas d'imprévu, à 20h30, on commencera le truc de la sirène slash océan, on va tirer. Dimanche, le vlog. Voilà, voilà. Et ce vlog a été assez long, hein, parce que j'étais déjà plus d'une heure hier. Plus les quelques minutes là. Ça faisait longtemps que j'avais pas dépassé les 1 heure en vlog. Pourtant, il me semblait que j'avais pas tant de choses que ça à dire cette semaine. Mais quand j'ai vu au montage, j'ai dit, oh, quand même. Donc là, j'ai fini mes deux petits gugus. J'ai fait un dragon et un serpent. Je vais les mettre sur Vinted. On verra si ça part. Écoutez, hein, de toute façon, tant qu'à faire. Là, je pense que je vais fimoter 1 heure en attendant qu'Enzo, enfin 1 heure, voire 1 heure et demie, 2 heures, le temps qu'Enzo parte au travail. Ouais, donc la pâte Fimo que j'ai reçue, il y en avait de l'entamé. Il n'y en a que deux que j'ai gardé d'entamé parce que c'est des à effet et ça, j'en ai pas d'autres. Il y avait 3 ou 4 qui étaient entamés, j'ai jeté parce que c'est tellement dur à récupérer une fois que c'est vraiment sec et friable comme ça. Et les autres sont quand même pas mal durs, hein, donc je dois beaucoup les travailler. Donc là, j'ai bien mal les mains par exemple aujourd'hui parce qu'hier, j'ai beaucoup travaillé ma pâte. Du coup, je mélange avec un peu de la action pour la ramollir quand j'ai les mêmes teintes. Je pense que... Enfin, j'espère surtout que les autres seront un peu moins... Ah, Vinted. Tintin. Oh, maintenant, il faut que je négocie avec Chéri. Il vient d'arriver. Cool. Je vais envoyer un message à Chérie. Je vais attendre un peu, voir s'il n'y en a pas un autre qui arrive en même temps. Mais les autres, je crois que c'est après le 19. 19, 21. Celui-là, il n'est même pas encore été envoyé. 19, 21. Ouais. Donc le 19, c'est quand? C'est lundi. Donc ça sera que la semaine prochaine. Donc ça tombe bien. Voilà. Donc je vais essayer de négocier ça avec Chérie. Comme ça, je peux ranger. Je crois que j'aurai pas assez d'un tiroir au final dans mon meuble. Après, ça prend pas énormément de place à ranger, mais je crois que j'aurai quand même pas assez de place avec un tiroir. Je crois que faudra que je réorganise si j'ai pas assez de place. Ça va être la merde. Quoique j'ai encore un peu de place en dessous, donc je mettrai peut-être celle à effet en dessous. On va faire comme ça. Ou d'autres marques. Je ne sais pas. Enfin bref. Ben voilà. Ben écoutez, je vous ai donné le planning. J'avais rien d'autre à vous dire. Hein. Faut que chacun me remette l'arbre à chat pour les titis là au-dessus parce que du coup on a reculé un petit peu la cage, donc pas beaucoup, hein, de 5 cm, mais du coup l'arbre à chat ne tient plus au-dessus de la cage. Et voilà. Bah écoutez, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas encore fait, hein, comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne semaine et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous.